Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes ravis de communiquer avec vous tous. Nous avons expliqué à beaucoup d'entre vous qui viennent à nous dans le plan astral que tout fonctionne comme cela doit se produire sur Terre. Et nous voulons vous dire que cela fonctionne aussi pendant que vous êtes dans votre corps physique, éveillé. Nous voulons que vous compreniez que l'ascension de la conscience se produit quoi qu'il arrive et qu'il s'agit actuellement d'une ascension universelle et d'une ascension de l'ensemble du multivers. Par conséquent, personne n'a à s'inquiéter de quoi que ce soit. Nous vous invitons à vous concentrer sur les aspects de votre vie et de votre monde qui reflètent cette vérité que tout va pour le mieux et que tout se déroule comme prévu. Nous vous invitons à repenser à tous les moments de votre vie où vous aviez l'impression que tout s'effondrait, alors qu'en fait, cela vous amenait toujours à un meilleur endroit. Cela continue également de se produire dans tous les systèmes sur Terre. Alors que les gens accèdent à leur peur de l'effondrement d'une chose ou d'une autre, rappelez-vous qu'il y a un changement qui se produit. Et parfois, lorsque vous changez, vous essayez avec votre esprit de devancer le futur en prédisant comment cela va se passer, comment vous allez vous développer sur de nouveaux systèmes. Mais vous n'avez pas à comprendre tout cela. Vous devez faire confiance au chemin de la facilité et de la joie afin de vivre ces changements dans vos systèmes aussi facilement et joyeusement que possible. Il y a bien sûr beaucoup de choses qui se passent sur Terre qui ne sont pas désirées et qui semblent mauvaises ou oppressantes pour ceux d'entre vous qui y prêtent attention. Bénis soit l'éco-créateur qui vous donne à tous l'opportunité d'être la lumière et de les aimer inconditionnellement. Abandonnez l'inquiétude, la peur, le jugement et la résistance et vous serez sur le chemin de l'ascension qui inclut plus de facilité et plus de joie. Rappelez-vous aussi que ce qui est le plus important ici n'est pas ce qui se passe là-bas, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez un contrôle total sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, si vous le saisissez complètement. Si vous passez plus de temps à méditer dans la nature, à respirer consciemment, à faire d'autres activités que vous aimez, vous vous sentirez plus conscient, plus enraciné et plus capable de rester centré sur le cœur, tout en sachant que l'humanité traverse quelque chose en ce moment. C'est un processus de renaissance. C'est un processus de changement et d'ascension, et cela ne peut se produire du jour au lendemain. Et vous ne voudriez pas que cela se produise ainsi, de toute façon, parce que vous êtes là pour en faire l'expérience et pour l'expérimenter progressivement, de manière à voir et à ressentir votre croissance tout au long de cette évolution de la conscience. C'est ce changement de conscience
qui en est vraiment le sujet central aujourd'hui. Rappelez-vous que tout cela nous apporte une grande joie, car même si c'est un rappel pour certains, c'est la première fois que d'autres peuvent l'entendre ou le lire. Nous sommes toujours heureux de mettre tous les esprits en état de paix pendant ces moments troubles sur la terre, où tant de personnes disent que le ciel est en train de leur tomber sur la tête. Vous êtes là pour être des personnes apaisées et des éclaireurs, et nous sommes toujours là pour vous aider à vos côtés. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci. Merci.